Une chronique sur la culture francophone à Plamondon, en Alberta. Comment est-ce que vous avez rencontré la mère à Reed puis à Michel? Ah ben, ça a commencé à 13 ans. On a été 5 ans ensemble de cafettes. Quoi? Toutes sortes de manières. Quoi? Tu n'as jamais compté ça. Hein? T'as jamais compté ça. Ah oui, après. C'est pour ça que je suis de même d'abord. Ah! On se trouve là, on a des frères. Là, elle sait pourquoi je suis comme pas ça. Pas maman! Non! Il a marché, les filles. Hein? Il y avait Myrtle, puis il y avait Yvonne. Puis une fois, il a marché. Il n'y avait pas de mille dans le village. La face là, moins Urban. Urban est là avec Myrtle, lui. La face qu'il nous disait, ça va pas venir. C'était loin, à ce temps-là. Oui. C'était loin, madame, personne. Il n'y avait pas un chat. C'était allé, pas loin dans Noël. Oui. Il y a 15 ans, ben là, Pierrot, il dit, tu peux venir. À 15 ans? Ouais. Quand elle avait 15 ans? Ouais. Puis toi, t'avais 16 à peu près? 3 ans plus jeune que moi. Ah, OK. Maintenant, 21 ans, elle avait passé 5 ans ensemble. OK. Wow. Ça fait que tu veux dire, toi, t'avais 15 ans, puis maman avait 12. Hein? Il y a 12 plus ça, c'est non. Là, on va avoir une grande slide de titre là-bas, là. Ouais. C'est moi qui fais le driver, parce que c'est la bière de moi, c'était dit. Ah-ha! Parce que même pour se rencontrer. C'est comme ça que vous serez là. T'étais le driver? Hein? T'étais le driver du... Ah oui, oui. La grande fille, là. Ouais, t'es pas. Quand on s'en court de la croix, on venait jusqu'en bas de la croix, puis faire de partir. Wow! La fin, les côtes, t'as pas coupé. Oh, yeah. En retard devant la coop. Comment est-ce que vous traînez la slé en l'air de la côte? C'est une grosse slé, ça. Ah oui, bon, on était 3-4. Moi, puis Urban, puis Harold, puis Wilbur, puis... Vous n'avez pas eu d'accident avec ça? Vraiment. Christ, vous avez peut-être vous tuer. Pas aura pu, mais il n'y a personne qui s'est tué. Mais ça me paraît que faisait beau soleil à toutes les soirs. Il y avait des... Ça, on ne voit plus à l'une. Il y a des années, ça paraît beau à l'une. On la voit plus quand on est jeune. Ben oui. Après qu'on est vieux, on ne voit plus à l'une. Ça, c'est à toutes les soirs, parce que t'as ta bonne de voir, hein. Après, tu peux, on partait. Oh, wow! On marchait à 100 côtes, là, puis on a marché, puis là, il faut aller jusqu'au bout. N'oubliez pas, il fait noir à 4 heures. Wow! Il n'y avait pas d'arbre dans le chemin? Pas un chat! Pas un chat, pas un chat, mais bien intime, seulement. Le chemin, c'était comme de la glace. On a juste pris les grosses les joueaux, là. Ouais. Puis on va de notre chien, il l'a traîné sur la côte, puis on a embarqué dessus avec la tongue. La grosse tongue, là. Slide en bas avec ta pelle. Vous aurez pu vous tuer avec ça. Ah, je te tuer, oui. Ah ben, je te dis que c'est une chance que t'as pas votre père, parce que je te dis que si tu aurais poigné faire ça, vous aurez eu tout volé. Oh, man, ça c'est dangereux. Là, le chien traîna ce slide-là en l'air de la côte. Le chien? Là, il était dompté, puis il était bon. On va tirer deux chasses pour venir au village, je me reviens pour tout le monde. Oh, un chien? Un chien. Ouais, un chien. Oh, Jeff, il était à ça. Écoute les histoires. Le chien, il voulait le manger. Il était batailleur, ben, yo. Après ça, ben, on a mouru au village. Après, on était au village, j'avais 17 ans quand on a mouru à côté, au village. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien. C'était tout seul de mon coin, là. Mais il y avait Valmore et le Périmille. Ils sont un 1000. Là, tu parles où je vis Esther, là. Raymond Bossin? Ouais. Ah, ben, c'est chez nous, ça, c'est de l'autre bord du chemin. Mais ouais, il y avait un lieu chaque fois dans la grange. Une fois, on vient après le dedans, c'est au rond d'avoir, comme les gens, toute la soute, puis tu vois. En cheval? Ah, en soute? C'est tout plein de poêle. Les autres, on a à voir du temps. Ben oui, hein? Mais là, Wandering River, on a des filles. À Rouen. À Rouen. Oui. Ah, puis le soir, une fois, on filait pas pour se lever parce qu'on était coupés en haut, en dessous le top. La dame de matin vient nous réveiller. En grand. Là, ils sont pas revenus, ils sont pas là. Mais tout le monde, vers 10h, 11h, on sort. Quel diable, c'est que vous sortez? On dit, oh, t'as d'air fini, là. À l'air. On voulait pas que tu nous réveilles trop tôt. Non. On en trouva des pleins. Un projet réalisé par Boréal FM et financé par la CFA de Plamondon-Lac-Labiche et Patrimoine canadien.